Allez, salut à tous, c'est MafioMiso30 et bienvenue, pour ce nouvel épisode de ce Let's Play sur Ratchet & Clank. La dernière fois où on s'avait laissé, on est arrivé sur cette planète pour essayer de parcourir, pour trouver le lieu de la course et retrouver le Capitaine Quark. Bon, pendant ce temps, on a retrouvé ce type qui nous vend une arme, un motherfucking 150 000 poulons. Dans ta gueule, ça ne fait plus. En tout cas, ça a l'air de faire mal comme arme. La plus puissante à ce qui paraît, mais tout ce que je sais, c'est que c'est aussi sûrement l'une des plus chères, ouais. Du coup, ça on a fait, Et alors, on va pouvoir repartir tranquillement avec mes fidèles amis. Les fidèles sbires. Non, pas vous, vous êtes pas mes copains. Voilà, vous vous dégagez par contre. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Merci bien. Tac. Du coup, alors où ça? Non, mes fidèles sbires, ils peuvent pas m'accompagner. Mes fidèles sbires ne peuvent pas m'accompagner partout, malheureusement. J'aimerais bien, mais ils peuvent pas. Wow. Par contre, ce lieu, il y a une différence avec la ville qu'on était là. Ah ouais, vous êtes là et tout moche. Attendez, je vous envoie un petit peu mes fidèles sbires pendant ce temps-là. Allez-y, fidèles sbires, attaquez-les. Voilà, pendant ce temps-là, il les explose. Pendant que moi, je m'occupe de ça. Tac, 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 tac. Encore un petit coup de fidèle sbire. Je peux avoir des fidèles sbires? Non, encore. Ah bah voilà. Allez-y, mes fidèles sbires, attaquez, attaquez. J'espère que quand je descendrai, il n'y aura plus aucun ennemi. J'ai dit que je ne veux plus aucun ennemi quand je descends. Est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Ah, mais il en reste encore, hein. Moi, j'en veux plus aucun quand je descends. Allez, je descends. Allez, venez. On doit tout faire sur la même. J'ai dû en tuer un ou deux. Oh merde. Je voulais pas. Je voulais pas vous attirer tout de suite. Non, je voulais pas. Aïe, 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 aïe. Non, ça va, ils m'ont pas touché de seule fois. Je dis aïe, 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 et sans sortir. Ça, c'est la défaut aussi des gens. C'est de dire aïe, 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 aïe. Et je te touche même pas. Non, aïe, 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 deux quand même. Regardez, sinon j'aurais récupéré de la vie. Mais non, rien du tout. Puisqu'il y avait pas de dégâts. Alors là, c'était ça. Là, c'était ça. Et la suite, c'est donc par là. Il n'y a pas 5000 solutions. La suite, c'est par là. Et mes fidèles sbires qui ne peuvent une nouvelle fois pas soit me suivre. Est-ce que je peux vous tuer directement? Il n'y a pas l'air que je puisse. Avec les corps ravageurs. Même pas. Du coup. Ah. Ça s'active lequel? Ok, ça active celui-là. Vous êtes presque tous morts. Maintenant vous êtes tous morts. Suivant. Il y a un boulon en or là. Faudra essayer de le récupérer celui-là. Je l'avais même pas vu. J'ai bien fait que tu me retournais. Tu croyais vraiment que j'allais tomber dans ce piège, petit digo? C'est mal de me connaître. Oh, de seul bruit! Voilà. Ben voilà, ils sont explosés tranquillement. Oh, vous êtes moche. Mais non, vous êtes moche. C'est tellement moche. Vous me faites penser à dans Jack 2 contre quand on affronte Crew. Les petits Crew, mais tout dégueulasse. Vous me faites penser à ça, vous. Ah, c'est vraiment ça en plus qui me faut penser. Tac. Ah, on peut pas. On peut plus changer. Non, une fois qu'on active. Peut-être problématique, on verra, mais. J'active celui-là. Non, même pas. Ah non, 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 moi je. Je veux le boulon. Donc c'est pas fini pour moi. Tac. On va voir si on y arrive. Peut-être qu'il faut juste virer toutes les salles pour pouvoir avoir le boulon. Moi ça doit être sûrement ça. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Ah non, 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 moi ça me plaît pas tant que je les ai pas tous. Il va sûrement avoir encore de l'autre côté, non? Peut-être qu'il y a encore de l'autre côté. Oui. Du coup, bah, il reste plus que vous. J'aurais peut-être dû envoyer mes fidèles sbires pour vous. Pas grave, j'y vais à la clé. Bonjour, bonjour, bonjour. Non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Okay. Qu'une de vie. Ça, toi, je t'avais vu, ma petite. Sauve-moi, ma belle. Et vous, vous allez manger. Vous allez manger mes fidèles sbires. J'envoie tous mes sbires, quasi. Attaquez. Voilà, c'est comme ça qu'on règle le problème. Attaquez, j'ai dit. Attaquez. Attaquer. Ils ont pu en sauter.
Il a réussi à me faire bonne sortie. Je suis de la merde, mais c'est pas grave. Il y a au moins un peu de vie ici. Et façon là, ce qui est bonheur, c'est... Ah bon? C'est pas encore fini. Ah bon? Ah oui. Du coup, si t'es cassé, comment je passe? C'est comme ça que tu le prends, toi. Comment puis-je passer? Il doit avoir une connerie à faire, mais... Est-ce que je peux te... Non, je peux pas t'aspirer. Je peux rien aspirer. Est-ce que je peux... Je vois pas ce que je pourrais faire, en fait. Non, ça passe pas à travers, je m'en doutais. Enfin, sans douter que ça passait pas à travers, sinon j'aurais pu le faire avant. Et ça, ça me fait... Ah, ça me fait pas mal, mais... Ah, on sait faire ça? Wow! Comment ça, ça bug? Eh ouais, quand même. Ça sert. Comment je peux faire, là? Passer. Du coup, on s'est grimpé ainsi, mais... Il doit avoir une histoire à savoir passer, alors. Comment j'en ai pas la moindre idée, mais il y a sûrement un moyen. Par où est-ce que je pourrais? Là, si je fais ça, non. Là, c'est problématique. Là, c'est problématique parce que je voudrais bien l'avoir quand même. Qu'est-ce que j'aurais pu louper? Au moins, on est full life aussi. Non, déjà, c'est pas ça. C'est pas avec ça. C'est quoi le problème alors? Y'a rien de l'autre côté, y'a rien là. Il y aura sûrement un moyen d'y arriver, mais je sais pas comment. Il faudra que je vois ça. Hein ! Problématique tout ça. Bon, pour l'instant, on va pas s'en occuper, mais c'est quand même fort problématique. C'est peut-être tout simple, hein. C'est peut-être tout bête que j'ai loupé un truc. Ou c'est peut-être après. Oh, esquive, esquive, esquive. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Toi aussi, tu m'as fait mal. Mais t'es trop loin, ça va me toucher. Puis. Du coup. Allons-y. 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 Tac. Nous sommes arrivés. Nous sommes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue à la compétition intergalactique d'Overboard. Le capitaine Quark offre un zoomérateur platinum flambant neuf au vainqueur. Un zoomérateur platinum? C'est peut-être ça que l'agent de Skid attend comme preuve irréfutable de ton talent. Attendez, vous parlez bien de Skid MacMarx? Ouais, Skid n'a pas pu venir, alors on est là pour, disons, le remplacer. Eh bien, on va voir ça. Et quoi? Comment ça, comment ça tu me fais stresser à dire on va voir ça? Pourquoi c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux comme truc quand même. Mais on verra bien. Boulon, 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 boulon. Donnez-moi des boulons. Je sais pas pourquoi je sens que ça va puer. Je sens que ça va puer. Du coup, je préfère faire ça avant. Tac, on va pas être con. On sait que sinon, on n'aura pas la dernière caisse. Ah, on l'a pas du tout de toute façon. Ah bon. Ouais. Super. Comment on l'a? Aspi. On va y voir. Singer. Non, 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 non. Non plus. Eh bon, c'est pas à voir ça de toute façon. Ça sert que pour les ennemis en fait. D'accord, d'accord, d'accord. On va voir comment on casse ces caisses là parce que ça me paraît quand même bizarre. Space. J'aurais cru qu'on puisse les avoir ici. Pas du tout. Non, pas du tout. Et avec des bombes. Ah, avec des bombes on peut, d'accord. Avec les bombes on peut. Pardon. Genre j'ai plus personne. Bonjour. Bonjour. Au revoir. Bonjour. J'espère qu'on y arrivera, mais moi je me demande vraiment comment on peut y arriver. De toute façon, pour l'instant, je veux c'est faire la petite course
D'abord, prenons la dernière caisse qui est ici. Bon, ça me utilisera plus, mais c'est pas grave. C'est pas pour une qui va que j'ai pleuré. Bon, c'est peut-être que ça coûte plus cher de prendre la caisse que de prendre d'utiliser une munition. Bon, pas grave. Ah bon, c'est comme ça que ça démarre tout. Comment ça, je suis lent? Comment ça, je suis lent et on m'explique même pas comment ça fonctionne? Ouais. Super. J'ai loupé un truc. Je peux la refaire, s'il vous plaît? Quitter. Ah d'accord, il faut que je prenne ça directement, ok. Au moins je le sais. Ah, ça va tout de suite mieux quand j'utilise ça. Ouais, ça va tout de suite mieux. Tac. Prenons les accélérations. Oui, ça se passe directement un peu mieux que ça quand même. Raté. J'espère que je vais y arriver quand même. Là, il y a un accélérateur. Là, ils m'ont fait exploser, les enfoirés. Ils m'ont fait exploser. Putain, je suis 5e. C'est la merde. Je suis nulle part. Je suis vraiment nulle part là pour l'instant dans la course. Skiff 4e. 5e. C'est la merde. Ok, on va la recommencer. Ça a l'air chaud. Ça a l'air chaud comme truc. J'espère qu'on va y arriver, mais. Je vois pas comment on peut y arriver. Enfin, on est. C'est pas qu'on est nul, mais. Un petit peu quand même. Voilà quoi. Moi ça j'ai quelques aspirations. Avec ça aussi. Avec ça. En fait il faut pas louper un seul sinon on est dans la merde. C'est ce que je vois. Ouais si on en loupe un seul d'accélération. Voilà si on se mange ça. C'est un peu la merde on va dire. Je sais pas si ça nous ralentit ça ou autre chose. Tout ce que je sais c'est que les TNT ça c'est pas bon. On va rester encore une fois comme ça. Puis on verra. Au pire, je vous ferai une petite ellipse si vraiment je galère de trop. Mais pour l'instant, ça va, c'est pas. On découvre quand même. On peut un peu découvrir pour voir comment ça se passe. Mon inspirant, c'était un peu plus simple pour moi. Je connaissais un peu plus ce principe. Pourtant, ça revient au même, c'est ça le pire. Ouais, ça revient au même que dans Spiro. Et j'arrive à. Du quoi? De où que je suis tombé là? De où? De quoi? De comment? De pourquoi? Incompréhensible. Hein, compréhensible, je deviens lent. Mais je deviens lent. Ah ça va, je raccélère là. Tout juste. Il y a tellement de TNT là. Il y a tellement. Ça fait peur. Allez, on loupait aucun. Il s'est mangé. Ça c'est beau, c'est qu'il s'est mangé la TNT. Voilà, je suis au bien là. Troisième. Il est où le premier? Il doit être super loin en fait. Le deuxième on le voit déjà. Ça c'est déjà bien, c'est qu'on voit le deuxième. Et le premier, ça je vois pas du tout ce qu'il pourrait être. Où est le premier? Lui doit sûrement bien prendre tous les accélérateurs. Il doit louper aucun. Ah ok, je pense l'avoir vu. Je pense avoir vu le premier. Ah, je ralentis là. Allez. Voilà. Ça c'est bon ça. Allez, aucun accélérateur là qu'on loupe. On n'en loupe aucun. Et ça devrait être bon. Et alors, je l'ai vu dans la caméra. On continue comme ça et on devrait bien s'en sortir. Voilà, pour l'instant ça se passe bien. Je me concentre les gens. Je me concentre. Aucun accélérateur à louper. On va perdre. On a perdu. Ah, dommage. Dommage. Allez, cette fois-ci, on va y arriver. De toute façon, ça prend pas tellement de temps que ça. Par contre, c'est un peu bof. Je suis pas trop fan au fait de ça. De ce sport. Je pensais que ça aurait été mieux que ça, mais pas trop fan. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire? Les figures, est-ce que ça a une quelconque utilité en fait? Pas la moindre idée. Faudrait essayer au bout d'un moment. Essayer de faire une figure pour voir si ça a une quelconque utilité. Déjà, eux, est-ce qu'ils me ralentissent ou est-ce qu'ils m'accélèrent? Ou alors c'est neutre? Aucune idée. Peut-être qu'il y a peut-être un petit coup quand même de désaccélération, peut-être. Ah, loupé, ça c'est dommage. Forcément, il reprend la tête grâce à ça. Allez. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est vraiment bien. On est plus que bien pour l'instant. Enfin, même si on est toujours deuxième, on va pas être le premier. Ah, on est premier. Ok, je sais même pas comment je l'ai su le dépasser, mais s'ils veulent.
que je l'ai pris l'accélération? Moi je pense que je l'ai pris, c'est l'accélération là. Celle-là aussi. Celle-là je l'ai raté par contre, ça on l'a vu tout de suite. C'est que je l'ai raté l'accélération. Allez, surtout pas louper. Non! Non! Ça risque d'être problématique ça. En plus on n'est pas à pleine vitesse. Ouais, ça risque de nous porter préjudice. Il n'y a plus tellement d'accélération là. Allez. Allez. Je sais même pas où il est le premier. Ah, c'est les ça. On y était presque. On y était presque. Non, non, c'est loupé là. Du coup, on va quitter et recommencer. De toute façon, ça prend à peine une minute à chaque fois. En plus, je ferai, vous inquiétez pas, un épisode plus long. On va dire 10 minutes en plus pour dire que cette course ne soit pas dans le vent. Parce que c'est vrai que c'est assez long pour... pour ce que c'est et voir tout un épisode de course, c'est pas que ça sera chiant, mais un petit peu quand même quoi. Les deuxième, le premier, à chaque fois j'ai vraiment du mal à l'avoir. Voilà, si on prend bien dans les tournants, il y a moyen de bien le choper, et avec les accélérations en plus, c'est encore mieux. Voilà, la petite pente, là on l'a loupé malheureusement. Voilà, ici il faut pas sauter en fait. Ok, là, il faut pas sauter. J'ai essayé au moins, j'essaie de faire quand même le mieux que je peux. C'est pas toujours évident. Et ben, c'est toujours la phrase qui a du mal parce qu'on est en plein saut. Pourtant, moi je suis pas réellement en plein saut, mais je vis dans mon perso. Comme là. Ouais, je vis dans mon perso en fait. Pour l'instant, vraiment là. Là, je peux le dire, je peux le répéter encore. On s'en sort bien. Là, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Faut juste pas que je me plante ici. Si je me plante pas ici, normalement, il devrait pas avoir de problème. C'est bon pour l'instant. Allez, faut pas que je loupe un seul, en fait. Et merde. Si je perds, ce sera à cause de ça. Si je perds, ce sera encore de moi. À cause de moi. Et merde. Il loupe premier. Et le troisième qui m'a rattrapé. Là, ça va, mais... pour rattraper le premier, ça va être beau. Moi, je pense qu'il a déjà franchi la ligne d'arrivée. Allez, j'essaie encore une fois avec vous. Puis, je vous ferai une petite ellipse. Enfin, je filmerai jusqu'à l'essai gagnant. On verra bien comment on va s'en sortir. J'espère qu'on va bien s'en sortir. Allez, bonne accélération. Voilà, eux, ils l'ont pas pris, je pense, l'accélération là. Celle-là, ils l'ont prise dans tous les cas. Du coup, je dois louper aucune accélération. Voilà. Là, je l'ai loupé, malheureusement. Et si je l'aurais pas loupé, ça aurait été bon. Ça va, là on accélère bien. Ce serait bien de prendre celle tout en haut, mais un peu galère on va dire, cette accélération là à prendre. Ouais, y a vraiment moyen de passer comme ça. Ah, il la prend pas l'accélération là, c'est peut-être pour ça que j'arrivais pas à la rattraper en fait. D'accord. C'est bon s'il prend pas toutes les accélérations. Moi c'est celle-là qui me fait à chaque fois rater. Cette fois celle-là, on l'a eu. Ce serait bien de pas la louper cette fois-ci. Genre, je me suis pris quoi? J'ai pas compris, je me suis pris quoi là. Ah, c'est dommage. C'est fort dommage même. Bon, il y a encore moyen, il y a encore deux tours. Du coup, il y a moyen encore de s'en remettre. J'espère en tout cas qu'il y a moyen de s'en remettre. Allez. Moi j'y crois. On y croit tous. Faut y croire. Allez. Non, je l'ai loupé. Pas grave, j'aurai l'accélération là. On va dire que ce sera pas mal non plus. Allez. On est bien pour l'instant. On est deuxième, mais on est bien. Par contre, c'est le dernier tour, donc on n'a pas atterri à se foirer une seule fois. Et je pense que j'ai vu le premier. Vu que c'est lui qui explose des trucs là, je pense. Même pas? C'est pas lui? Il est où le premier alors? C'est lui le petit point que je viens de voir. Ok, c'est le petit point que je viens de voir. Du coup, si on prend toutes les accélérations. Et c'est gagnant, c'est parti. Allez là. C'est parti pour ce premier essai, les gens. On va y arriver, j'espère, dès le premier coup, ce serait pas mal ça. Bon, par contre, je commence très très mal là. Je commence vraiment mal là. L'accélération, elle est pas au rendez-vous. Mais la reprise peut être encore mieux. Si on arrive à faire notre comeback, ce sera encore mieux. Allez, voilà, première accélération, deuxième accélération. On est bon pour l'instant, on est troisième. La top position est là. La deuxième place est passée. On est pour l'instant la médaille d'argent. Suivi de près par le premier qu'on va sûrement rattraper grâce à cette accélération ou sûrement la suivante. Grâce à la suivante, comme j'ai dit.
du coup, là, si on prend toutes les accélérations qu'on se plante pas une seule fois, on devrait pouvoir y arriver. Mais oui, Jean-Pierre, vous avez raison. On pourra gagner cette course si on s'en sort bien. Mais il faut pas qu'il se foire une seule fois. S'il se foire une seule fois, c'est la fin du monde. Et c'est même la fin de la course et la fin du podium pour lui. Sauf pour être deuxième, ça veut dire la première place des perdants. Et ça, personne ne le veut. Il a déjà raté une accélération, c'est pas bon. Est-ce qu'il va rater le tremplin? Il le réussit le tremplin. Et il prend plus d'accélération en tombant. Ça veut dire qu'il s'est déjà loupé un petit peu. Mais c'est pas grave, c'est le troisième tour. Le troisième tour peut être décisif. Il a déjà pris la première accélération. Quel boulet, il est nul. Mais il a pris la deuxième, c'est déjà une bonne chose. Par contre, s'il se foire ici, c'est pas bon. Mais s'il se foire pas, ça peut être vraiment bon. Il a pris l'accélération, il est bien pour l'instant. Il est chaud, il est prêt. Voilà, pour l'instant, il prend toutes les accélérations, mon cher Jean-Mi. Et oui, je vous appelle plus Jean-Pierre, mais maintenant Jean-Mi, mon ami. Est-ce qu'il va faire le couillu? Il fait le couillu, il prend l'accélération, il fonce et il remporte la victoire des premiers essais. Bonjour, ici le Capitaine Quark. J'ai le grand plaisir de vous présenter les champions intergalactiques d'Overboard de cette année. Applaudissez bien fort. Ratchet and Clank. Hé, hey, regarde, c'est nous! Aujourd'hui, nos vainqueurs ont remporté un Zoomerator Platinum Pro flambant neuf, modèle T15. Construit par Gadgetron, cet accessoire d'Overboard concentre les meilleures performances d'altitude, de vitesse et de manœuvrabilité de tout le marché des appareils anti-gravité. Mes amis, il est temps de rendre l'antenne. Ce soir, n'oubliez pas de régler vos inforobots sur le canal Quark Classique pour l'épisode du jour du Canyon de la Mort. En vedette, votre serviteur. Merci à tous et quarkez-vous bien! Hé hey, du quarkez-vous bien, moi je dis portez-vous bien. Hé hey. Wow. C'est ma catchphrase, ça! Tu es tout foiré! Du coup, on a remporté la course, du coup, on pourra retourner voir l'autre, mais là, rejoindre ton vaisseau. Quoi, y'a rien d'autre à faire, vous êtes sérieux? Non. Non, 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 par contre, on va se calmer, y'a pas que ça qu'à faire. Hein. L'objet qu'on a eu réellement, l'utilité, s'il vous plaît. L'utilité, il est où? Attrape Nico, puis Rosa, encore ravageur. Ah, c'est juste un objet que. Qu'il faudra les rendre. Ok, bon, bah. On va y aller alors, tranquillement. On va rejoindre le vaisseau et voyons voir ce qu'on va pouvoir faire. Par contre, j'espère qu'on pourra retourner ici directement si on a d'autres trucs à faire ici. J'espère en tout cas. Eh, j'ai vu qu'il y avait un truc avec ce Singer aussi. Ouais, il y a des trucs avec le Singer. Donc on n'a pas réellement fini. De toute façon, il y a encore des trucs à faire si je dis pas de bêtises ici. Ouais, il y a encore un truc là. Ouais, voilà, ok, ok. On n'a pas encore fini loin de là, en fait, sur cette planète. Ouais, ouais, je pourrais descendre, s'il vous plaît. Merci. Du coup, maintenant, il faudra utiliser le Singer. Ah bon. On va crever, c'est ça. Il va essayer de vous bouffer, le requin. Non, je veux pas être bouffé. Je veux pas être bouffé. Ça ne semblera pas, Jack. Ah, je me suis fait bouffer. Ok. Je sais maintenant que je suis obligé de faire Yaga. Et voilà. Et tac, on est parti. Comme j'ai dit, on est peut-être à 20 minutes, mais un épisode du cours, c'est pas le plus intéressant du monde. Hein. Swinger! Ça va swinguer, mon ami. Oups. Te prends pas trop le mur. Hein. Et on va arriver où? Où est-ce qu'on va arriver? Ah. Ok, pour ça, j'ai besoin du... Hydro-déplaceur, c'est ça? Ouais, voilà comment ça se passe. Ok, sans ça, si on n'aurait pas récupéré ça, on aurait été tellement dans la merde. Du coup, j'ai bien fait d'aller dans cette salle. Durant le précédent épisode avec la station. Ah, là, sûrement, oui. Est-ce qu'on projette l'eau de la même façon? On va voir. Oui, on remet l'eau de la même façon. Ok. C'est bon à savoir. Est-ce que ça a une certaine utilité? Oui, ça a une certaine utilité. On pourrait sauter. C'est où? S'il vous plaît. Non, c'est pas que tu me déranges, mais... On pourrait sauter, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça, moi. Il y a quelque chose quelque part? Non, pourtant, il y a l'air d'avoir rien du tout. Pourtant, je suis sûr que... qu'il y a moyen. Sûrement que j'ai fait un mauvais saut, alors. Sûrement qu'il y avait moyen sans l'eau. On va voir. Tac, déjà arrivé ici. Ah ouais. Ok, c'est moi qui...
qui m'avait chié en fait. Par contre, ici il faut mettre de l'eau, c'est ça? Ouais. Tac, comme ça, ok. Non, non, je le prends bien, c'est good. Non, c'est good alors. Par contre, il y a rien dans l'eau que j'aurais loupé. À part quelques boulons par-ci par-là, je veux dire. Ah oui. Là, je prends vraiment les miettes la place. Bon, ça se peut que les miettes me serviront, mais. Bon, on va pas chicaner pour quelques miettes. On va avancer, puis c'est. Tout. Oui, et. Seulement qu'il faut renlever l'eau, c'est ça? Un peu bizarre. On va voir. Tac. Maintenant, si j'enlève l'eau, je sais plus passer. Je sais plus passer par là. Hey! What is the problem? Problem. On va voir déjà en allant là. Il n'y a rien de spécial. Ça a pas de logique. Je dois me chier, mais complètement. Tournons et voyons voir ce que je loupe. Parce que on est d'accord que normalement, si je vais là. Ah, ok. Pff, c'est moi qui ai juste débile. J'aurais pu essayer de taper. Mais bon, moi, ça a l'air comme si c'était débloqué en fait. En fait, pas du tout en fait. Ah, tant mieux, vous me direz si. C'est juste moi qui a pas. Qui a pas bien réfléchi. J'aurais dû d'abord vérifier. J'ai toujours peur de taper et avoir l'air ridicule, mais là j'aurais dû taper au fait. Parce que pour moi ça c'est indestructible, mais non en fait ça se casse aussi. Comme du verre, tranquillement. Y'a pas de soucis, oh, tu... non tu casses ça comme tu veux. Et d'ici. Là par contre je vais. Oh. Est-ce que j'aurais pas dû enlever l'eau au fait? C'est moi qu'il faut plonger alors. Ça va être sûrement ça. Oui, vu que je peux remonter. Sinon, il n'y aurait pas de logique à que je puisse remonter. Ok, ok. Bon, j'aurais récupéré quelques boulons, c'est ça? Ça aurait été bien sympathique, on aurait récupéré quelques boulons. Oui, et de toute façon, je devais casser ça aussi. Oui, oui, oui. Donc non, j'ai bien fait de passer par là, d'abord. Donc voilà, là, ça se passe bien. Ok, ok. Non, non, ça se passe nickel. Je fais pas de conneries de trop, juste le fait de j'aurais dû taper, mais sinon y a pas trop de soucis. Bon, par contre ça aussi comment exploser. Ça peut-être l'exploser en même temps. Ouais, au moins cette fois-ci ça l'a explosé en même temps. Donc ramassons tous les boulons. Tous les boulons. Pour arriver à 50 000 par contre. C'est pas avec ça qu'on va avoir assez. Oui, avec tes boulons, donnez-moi les boulons. Merci bien. Merci bien, merci bien. Allumons. Enfin, allumons. Ouvrons cette porte. Oula, cours, 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 cours avant de mourir. Dépêche, 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 dépêche. Ah, ça se peut. Si, si, dépêche en fait. Sinon, tu vas être dans l'eau tout le long et ça va craindre à fond. Parce que là, l'eau est en train de bien monter. Ça s'arrête? Ou ça monte? Aucune idée, mais je préfère foncer. Je vais rien louper, mais je préfère. Ouais, non, ça monte, ça monte. Ok. Non, 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 non. Et merde. Plus vite, plus vite. Allez, saute. Saute, j'y arrive pas. Ah si, voilà. Avec des petits soins ainsi, il y a toujours moyen. Par contre, là, j'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix d'y aller ainsi. C'est pas que, par contre, on sera monté vite. Oui, on sera monté vite. Mais bon, c'est pas fini, hein. Petit saut, petit saut, petit saut. Voilà. Toujours pas. Faut passer par là, c'est ça? Dépêche, dépêche, dépêche. Nage, 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 nage. Plus vite, plus vite, plus vite. Sinon, je serai dans la merde. Allez, allez. Varier entre les deux. Non, non. Je me suis étouffé. Comment il fallait faire? J'ai pas été assez vite? Bon, on va le refaire cette fois-ci. Espérons que ça se passe mieux. Faut vraiment que je me dépêche en fait. Dès que j'ai appuyé sur ça, on y va. Allez, comme ça. Ouais, comme ça, ça se passe bien pour l'instant. Pour l'instant, ça se passe bien. J'espère que ça va pas en temps. Que ça va justement en temps réel et pas en crypté. Que quand t'es là, c'est normalement obligé que ce soit comme ça. Y'a pas l'air. Je
pense que déjà ici j'avais déjà l'eau. Oui oui j'avais carrément l'eau déjà là. Parce qu'au bout d'un moment j'ai pas le choix en fait. Je vais ramasser l'eau. Ah mais ici j'étais déjà pas bon. Est-ce que je peux l'esquiver? Ouais je peux l'esquiver. Tac. Tac. Non. Plus vite, plus vite, plus vite. C'est ici que je pense que je suis mort. Hein. Ah ou juste après. Je sais pas. J'ai juste intérêt à m'en sortir vite de là. Ça va. Et on est arrivé. Wouh. Fallait juste un peu speeder un petit peu plus. Et comme j'ai speedé un petit peu plus, ça c'est bien passé. Nickel. Merci bien. On pourrait me laisser passer. Où est-ce que je suis ici? Ah, il y a quelqu'un. Nickel. Par contre, attends 2 secondes. Que je m'occupe d'eux. Voilà. Ah, j'ai oublié. Bonjour. Et je suis reparti. Ah, je suis arrivé ici, d'accord. D'accord, d'accord, ça c'est bien ça. Un petit raccourci comme ça, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, ça fait pas de mal. Du coup, je suis arrivé à être là, tac. Ok, ok. Comme ça, je sais à peu près les routes. Et bonjour. Hey, hey, hey! Conférence de presse terminée! Le capitaine Quark ne veut plus de reporter qui le harcèle dans sa caravane! Oh, en fait, mon ami et moi devons lui parler d'un problème de sécurité galactique. Tu veux dire toi et ta caméra sur patte? Les paparazzi me dégoûtent! Eh, barrez-vous! Mais monsieur, je suis certain que le capitaine Quark comprendra. Non, ne vous fatiguez pas, je sais comment ça marche! Vous me persuadez de vous laisser rentrer, vous prenez une photo du capitaine en caleçon. En caleçon? Puis vous la vendez au tabloïd pour 1 million de boulons! C'est pas du tout ça! Alors que moi, je suis coincé ici pour 6 boulons de l'heure! Et je me fais incendier par ce radin de Quark! En clair, vous ne rentrez pas sans que je touche ma com! D'avance. Tu veux combien? 4000 boulons? Ok. Eh ben c'était pas compliqué. Quand on graisse les charnières, la porte s'ouvre. Capitaine Quark? Hein, quoi? C'est Ratchet et Clank, capitaine. Vous savez de... Ah oui, oui, je sais qui vous êtes. Vraiment? Oui, et par la galaxie, vous m'avez trouvé. Hein? Un horrible complot se trame pour détruire nos planètes. Ratchet, il sait! Génial! Alors on peut aller faire de l'overboard? Mes amis, nous courons tous un grave danger. Mais je pense qu'ensemble, nous pourrons mettre un terme à cette folie. Ensemble? Mais vous voulez notre aide alors? Écoute Ratchet, je t'ai remarqué depuis longtemps. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué. Tu promets d'être un véritable héros. Vraiment? Alors, je pourrais être célèbre? Absolument! Oh tiens, prends ça! Qu'est-ce qui différencie un homme ordinaire d'un véritable héros? La force? La compassion? La détermination? Ou bien est-ce la chance? Depuis la nuit des temps, les plus grands esprits ont réfléchi à cette question. Mais le capitaine Quark détient la réponse. C'est pourquoi il a vaincu plus de tyrans, sauvé plus de damoiselles en détresse et libéré plus de civilisations que tout autre héros de la galaxie. L'heure est venue de savoir si vous êtes fait du même bois que les héros. Cet info-robot contient les coordonnées de la base secrète de Quark. Aurez-vous la trempe nécessaire pour essuyer sans ciller ses agressions assassines, sans s'immiscer au soudi? Serez-vous sur son... Oh! Passez outre les défenses pour atteindre le centre de la base. Faites vos preuves, découvrez le secret et inscrivez votre nom dans l'histoire galactique! Consultez un médecin avant tout effort éreintant. Si vous mourrez ou que vous êtes démembré, c'est votre faute. Vos performances peuvent varier selon les événements. Retrouvez-moi, retrouvez-moi à mon QG. Hey, capitaine Ratchet! Pas mal, non? Nous serons à la hauteur, monsieur. C'est promis. Mouais. Ou alors ça peut pas être, c'est moi qui ai peur à nous, mais... Je sais pas pourquoi il avait un micro en main. Bon, bah soit. On va pouvoir se laisser la peau cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour vous dire votre avis. La prochaine fois, on ira à sa base secrète et voir ce qui nous attend. Et n'hésitez pas à aimer aussi la vidéo pour faire connaître ce Let's Play. Et sur ce, je dois vous dire à la prochaine. Et surtout, portez-vous bien. Oh yeah!